qui attend les équipes maintenant est un challenge très très drôle à réaliser dans un bobsleigh. Les luges de deux places s'élancent à une vitesse à couper le souffle après une montée à 20 mètres de haut. Hein? Alors tu me fais comme ça? Mais non, mais pas comme ça! Parce que c'est... Non, un papillon ça vole! Donc il faut y aller un peu plus comme ça! Hop! Mais non, mais avec un peu plus de grâce, d'élégance, un papillon c'est joli comme ça! Mais non! Ah mais non, mais c'est n'importe quoi! Non mais moi je laisse tomber! Ah bah voilà! Oh mais n'importe quoi quoi! Mais qu'est-ce que tu fais? Mais ils font n'importe quoi! Non mais je voulais les transformer en papillons, ils font n'importe quoi! Est-ce que vous voulez m'aider? Oui. Ça me fait plaisir. Alors, j'ai ce qu'il faut pour m'aider. Il va falloir que vous réalisiez un challenge. Le maquille-moi si tu peux. D'accord? Dans chaque équipe, il me faut un maquilleur et un maquis. Les verts. Donc moi, je maquille Enzo parce que je suis assez doué en art plastique. De l'art plastique pour maquiller quand même. Hein. Il y a genre de l'art sur son visage. Il va refaire un ravalement de façade. Au moins, ça c'est dit. Et Enzo, pourquoi toi le maquiller? Parce que moi je pense que ça va être super drôle et qu'on va s'éclater. Je pense qu'on va se marrer, c'est un bon choix. Ok, les violets. Moi je maquille Naïssa. Garance, pourquoi? Je pense que ça pourrait être drôle parce que lui, je sais pas si c'est maquillé, si je la vois trop avec des petits papillons. Enfin, un papillon. Les oranges. Gabin me maquille. Lulu. Ouais, voilà. Simple et efficace. Les copains, je sens qu'on va se marrer. Alors attention, je veux un papillon très spécial. Je veux ce papillon. Wow. Regardez bien les couleurs. C'est tout, hein. C'est un papillon extrêmement précis. Il faut retenir les couleurs. Jaune, bleu, rouge. Du coup, retenez. Rouge, jaune. Petite information pour ceux qui ne seront pas dans le manège. Jajou, Garance et Alicia, vous serez les juges des autres équipes. C'est vous qui désignerez qui est le plus beau papillon. Les oranges, vous êtes prêts? Ouais. Chaud patate, les copains? Ouais. Allez, on y va! Gabin, avec son gant magique, doit réaliser le papillon le plus ressemblant à la photo. Et c'est donc sur Lily qu'il devra maquiller un magnifique papillon. Dans ce jeu, seuls deux candidats de chaque équipe montent dans le bobsleigh et c'est le candidat resté au sol qui devra désigner le papillon le mieux réussi des deux équipes adverses. Alors, installez-vous tranquillement avec, voilà, très bien, Gabin derrière le maquilleur et Lily devant la maquillée. Un beau papillon, on est bien d'accord? Ouais, un beau papillon, t'inquiète pas. Salut! Prépare-toi. Ok! Attends, je vais devant du coup. Allez, les garçons, installez-vous bien avec, voilà, Barley derrière, Enzo devant. Amusez-vous bien et à tout à l'heure. Ok, donc là, je vois que dalle. Mais là, okay. Je vois que dalle. Venez, les violets, venez. Voici votre bobsleigh. Installez-vous. Ah, allez, c'est avec Enzo derrière et toi, Naïssa devant, ok? Dément. Installez-vous bien, confortablement, parce qu'il faut être bien assis pour bien maquiller. Non, bonne chance, les copains. C'est parti. Malheur. Allez, go. On enchaîne direct. Ok. Vas-y. Vas-y, regarde-moi. Oh là là. Je sais pas qu'est-ce que tu fais. Non, j'ai pas mes lunettes. Ah, tu m'en mets dans les trous de nez. Tourne-toi. Là, comme ça. Attends. Je me souviens plus. Là, c'est bleu aussi, là, partout, un petit bout du nez. Regarde-moi bien comme il faut, je suis là, je suis ton frère, je suis tout. Voilà, c'est bon, t'inquiète pas, il se passe rien. C'est n'importe quoi. C'est pas grave. Ça sera toujours moins pire qu'Enzo Pep. Ok, là, le jaune, c'est en haut? C'est à côté, là. Mais c'est où le bleu, en haut, rouge? Le bleu, c'est en bas et le rouge, c'est en haut. Moi, je suis Léonard de Vinci, hein. Oh, regarde-moi! Lily, regarde! Ah! Attends, ça commence. Moi j'ai même pas peur! Mais regarde-moi! Ça ressemble à rien! Bleu! Vite, allez! Regarde-moi! Avec tes deux trucs qui te baladent! Dépêche-toi! C'est quand que ça arrête d'avancer ce truc? J'en ai dans la bouche, c'est horrible! Le bleu, c'est où le bleu? C'est où le bleu? Oh non, le bleu! Monte! Ah bah non, j'ai oublié le noir! Ah, mais moi, je veux pas voir les gens là! Ah, c'est horrible!
C'est où le rouge? Vas-y, regarde-moi, regarde-moi, regarde-moi. C'est n'importe quoi. Attends, regarde. Du coup, là, moi, je vois pas ce qu'il m'a fait, mais ça a l'air d'être horrible. Montre. Tu me fais hyper peur. Oh, c'est un carnage! C'est un carnage, les gens, c'est un carnage! Oh, je vous promets. Oh là 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 là, ça réserve vraiment, mais n'importe quoi. Oh, j'ai l'impression d'être un clown. Oh, mince, sur le t-shirt. Non, mais je crois, là, je suis en train de réussir. Vraiment, j'en jure, je suis en train de réussir. Non, mais j'ai pas l'impression, moi. Je suis désolée, Lily. Oh, j'ai perdu mon pompon. Je sais pas du tout à quoi je me sens. Vraiment. Oh, je suis désolée. Je pense que ça va vraiment te faire. Tu fais des vagues, ouais, voilà, voilà. Allez, Gabon. Là, je suis la bête de foire, vraiment. Vraiment catastrophique. Il y a des petites couleurs qui se ressemblent, mais bon, ça va. Monte ta tête. Un concept. C'est vraiment n'importe quoi. D'ailleurs, bon, bah, Lily, quand elle va se regarder, ça va, elle va bien voir. Je me suis pas encore vue, mais j'ai l'air d'être tout défigurée. Tu verras, j'ai fait n'importe quoi. Les amis, je vous ai demandé des papillons. Et vous avez vu ce que vous avez fait? Non, mais franchement, tu trouves que ça ressemble à un papillon? Non, franchement, ça va. Les couleurs, elles sont là. Mais t'en vas, regarde! J'aurais pu faire mieux, mais ça va. Un papillon. Ça bougeait vraiment énormément. Par contre, c'était impossible. Bah, j'avoue qu'à un moment donné, ça s'accélère un petit peu. Mais le début, c'est là où tout se joue. Heureusement qu'il te défend un peu, quoi. Gabin? Bah, ça va, ça franchement. Va. Hein. Ouais, sans commentaire. Voilà, merci. Et toi, Enzo? Non. Mais c'est quoi, cette... C'est contemporain. Tu l'as massacré. Non, bon, mais j'espère. Allez, maintenant, ce n'est pas à moi de juger. Ce sont vos potes qui vont juger les autres. Et on va tout d'abord appeler Alicia. Ça va, Alicia? Oui, ça va. Tiens, viens à côté de moi. Alors, Alicia, regarde. Regarde, Alicia. Tu vas déterminer quel est le plus beau papillon entre les verts et les violets. Je te rappelle quand même le papillon idéal. Quand même, c'est important de le préciser. Oui. D'accord. D'accord. Quel est, d'après toi, le plus ressemblant, le plus papillonesque des papillons? Bah, pour moi, c'est l'équipe verte, quand même. Ah, merci. Alors, attends, pourquoi l'équipe verte? Bah, l'équipe verte, parce que... Revenons d'abord sur l'œuvre d'Enzo. L'équipe violette, il manque le jaune. Du coup, bah... Bon, je te l'ai dit, il fallait que je mette du jaune aussi. Donc, tu es sûr de ton choix? Oui, pour tu moi, c'est tu accordes ton point au vert. Oui. OK, donc un point pour les verts. Bravo. Alicia, tu peux rejoindre ton équipe. Nous allons passer à présent au juge Janel. Janel qui arrive en cavalant à fond la caisse. Petit check avec Janel. Oh mon Dieu. Hey Janel, tu viens de me mettre un gros vent, là. Merci, Janel. Qu'est-ce que t'en penses? Oh mon Dieu. Je pensais ça quand même mieux. Hein. Attends, je te rappelle, Janel, le modèle de départ. En soi. En soi. En soi, en vraiment. Soi. Tu penses quoi? Les couleurs sont bien respectées. Pour alors, Lily, c'est un peu le fouillis-fouillat, on comprend moins. Bah, surtout, moi, j'ai un problème sur le haut. Tu vois, ouais. Le blanc. Pourquoi du blanc? Bah, en fait, le blanc, il est sur le côté, quoi. Bah, en fait, le blanc, il a jamais été en haut. Hein. Et puis après, pour l'équipe violette, là, tu t'es loupé. Hein. Ah, mais carrément, vraiment. C'est un peu la consternation, en fait, mais tu c'est vois. Pas vrai. Il y a des contours de partout, tu vois. En tous les cas, Janelle, tu vas devoir... attribuer ton point soit au orange, soit au violet. Ok. Bah là, je pense que tout est dit. Hein. Orange? Bah ouais, forcément. Un point pour les oranges, bravo. Et tu peux regagner ton équipe, Janelle. On va passer maintenant au dernier juge, le juge de l'équipe violette, qui va départager soit les verts, soit les oranges. Il s'agit de Garance. Salut Garance, reste Salut. À côté de moi, viens à côté de moi. Alors, Garance, tu vas devoir donner ton point, soit au vert, soit au orange. Quel est le plus beau papillon d'après toi? Et surtout, quel est le papillon qui respecte le plus le papillon original? Prends ton temps. D'abord, qu'est-ce que tu penses du papillon orange? Il est bien dessiné, enfin, les trucs ils sont à leur place. Qu'est-ce que tu penses du papillon Enzo, il Enzo. A bouffé la peinture. C'est un peu...
Après, t'es pas, tu peux noter aussi le talent artistique. Hein. Y a, voilà, c'est y a... original. Voilà. C'est pas copié 100%. Alors, Garance, j'irais l'orange. Moment compliqué. Il y a pas mal et pas mal. Hein. Garance, es-tu sûre de ton choix? Ouais. Et ton choix, c'est quoi? Les oranges. Et un point supplémentaire pour les oranges. Les oranges qui sont contents, Garance, tu peux rejoindre ton équipe. Ce qui fait donc, au final, un point pour les verts, deux points pour les oranges et un gros zéro point pour les violets, malheureusement. Ce qui fait donc, au général, les verts, 8 places, premier. Deuxième position qui grappille un peu du terrain, les oranges avec 7 places cumulées. Et en dernière position avec 5 places cumulées, les violets.